Hey yo les gens, c'est Pandora Rock'n'Roll, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Aria Clan qui j'espère vous fera plaisir les amis. Aujourd'hui comme vous étiez pas mal nombreux à nous demander plus de World First, plus de World Record, plus de War, voilà tout simplement sur la chaîne de la Aria Clan, et bien aujourd'hui on vous propose tout simplement le World First de la double nucléaire à la M16, donc j'espère que ça vous fera giga plaisir les amis. Donc justement c'est une double nucléaire à la M16, donc sur la M16 qui est une toute nouvelle arme DLC qui est sortie il y a pas très longtemps sur Call of Duty Black Ops 3. Donc c'est une double nucléaire équivalente, c'est à dire que c'est un 64 gun streak à la M16, donc franchement c'est quand même un très gros gameplay, dont une triple nucléaire fail car j'ai fait une brutale juste après le 64 gun streak parce que je suis mort entre deux et tout simplement je suis mort à cause d'un coup de gugus dans la gueule. Donc franchement sur le moment j'étais pas dégoûté, mais suite à ça franchement j'ai remarqué quand même que je pouvais faire un très gros gameplay. Franchement une triple nucléaire à la M16 ça aurait pu être très très lourd, mais bon j'ai quand même le world first double nucléaire à la M16, donc franchement je suis super content. Donc les amis, avant d'aller plus loin, sachez que si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne personnelle, je vais envoyer cette vidéo tout simplement à code QG en espérant qu'il me pose. Ça permettrait à ma communauté de s'élargir et franchement je propose quand même pas mal du bon contenu sans me la vanter. Et franchement ça ferait super plaisir si vous voulez checker ma chaîne YouTube si jamais vous venez de code QG. Du coup les amis, avec quel accessoire j'étais accompagné sur cette M16? Tout simplement de tir rapide qui est franchement assez indispensable sur cette M16, même si elle possède quand même une grosse cadence, du chargeur rapide, du viseur Hello et de la crosse. Franchement la crosse qui est vraiment indispensable sur les AR. Niveau du spécialiste, j'étais accompagné de la faux. Je crois que j'ai fait en tout 7 kills à la faux, donc franchement ça va encore sur 64 gun streak. Ça reste quand même une double nucléaire, voilà, à la M16. Et niveau des atouts, j'étais accompagné de post-combustion, du pillard qui est vraiment indispensable pour faire un world first comme ça, et du fonceur. Franchement le fonceur qui est quand même un très bon atout. Niveau des score streak, j'étais tout simplement accompagné du drone, du hater et du noyau énergétique. Franchement le noyau énergétique qui m'a quand même pas mal aidé lors de ce gameplay, car tout simplement ça attirait les ennemis autour et je pouvais facilement faire des kills dessus. Si jamais les amis vous voyez que sur le score vous voyez pas les prestiges, ce n'est pas du reverse boost ou du boost, je sais pas comment on appelle ça, c'est tout simplement que le gameplay est retiré du mode studio car tout simplement je voulais vraiment tryhard la triple nucléaire à la M16. Du coup j'ai pas pris le temps entre deux de brancher mon AverMedia et tout ça et de vous enregistrer ce gameplay. Et donc tout simplement j'ai appris du mode studio. Donc j'étais en groupe de 6 lors de ce gameplay. Franchement voilà, le groupe de 6 qui est indispensable pour réaliser des gameplays de ce genre. Donc j'étais accompagné de Xerox qui a pratiquement tous les World First en ce moment sur Call of Duty Black Ops 3, de Telium qui est donc un leader de l'Aria Clan, de Scary Movie qui est le leader de la Awa Clan, et de deux autres membres de la Aria Clan. Donc franchement merci à vous les gars de m'avoir aidé lors de ce gameplay. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du gameplay. Donc j'étais bien sûr sur la map Stronghold qui est quand même une map assez sous-cotée. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent sur cette map alors qu'elle est vraiment super, voilà, elle est super cheatée. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, les spawns niveau du drapeau C sont vraiment très rapprochés, ce qui permet tout simplement de faire des gros massacres. Vous allez voir tout simplement lors de la deuxième partie du gameplay que j'ai vraiment quand même pas mal temporisé dans les bacs pour tout simplement réaliser un 64 gun streak ou faire le world first double nucléaire à la M7. Donc je sais que je me répète beaucoup au niveau du commentary, mais je pense vraiment que ce world first mérite pas mal de visibilité. Donc franchement les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je pense que pour cette vidéo on va essayer les 400 likes, donc franchement pour ce gameplay, voilà, les 400 likes sont vraiment mérités. Donc merci encore à CodeQG si jamais il m'upload. Je sais que normalement la nucléaire, enfin le World First nucléaire simple à la M16 a été déjà upload sur CodeQG qui a été proposé par la Force of Win. Que le World First double nucléaire à la PP Sage a été également upload sur la Force of Win qui a été tout simplement proposé par l'Obscur Clan. Et je me dis pourquoi pas World First double nucléaire M16 sur CodeQG par l'Aria Clan. Je pense que ça pourrait quand même faire pas mal stylé, parce que nos compères de la performance sont déjà passés sur CodeQG. Enfin bref les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. C'était Panda Rock'n'Roll aux commandes de la chaîne de l'Aria Clan et de ma chaîne personnelle, voilà tout simplement. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the highest place I find, so that I can look over at before me what is mine. Can you say that I've disappeared? Can you say that I've disappeared?
That's what I'm looking for.